Ah, ses patrons lui aussi. Comment tu peux demander à quelqu'un de lessiver tes caleçons? Fais ton travail, mon ami. En même temps, regarde, ça ce n'est même pas à lui, c'est en dentelle. Et puis ça, ce n'était même pas dans le contrat. C'est ça, ouais. Dans le contrat. Mais en fait, soit tu es riche, soit tu n'es pas. C'est ça, c'est comme ça. Un vrai patron, il ne lave pas ses caleçons. Je comprends alors pourquoi je les lave à sa place. Non, pas dans ce sens, idiot. Un vrai patron. Idiot quand même. Un vrai patron, il enlève, il jette. Il porte, il jette. Voilà. Ou alors il les collectionne pour des œuvres qualitatives en Afrique. Oui, des ballons de caleçons. Vive la piperie. Merci, merci patron. Tu sais, attends, tu vois, ça rime ça, ça rime. Patron, caleçon, caleçon, patron. J'ai une bonne. Castron, le patron, il n'aura plus jamais besoin de ses caleçons. Et ainsi finit la corvée des caleçons. Yes. Ah, mon ami, non. Nous, on n'est pas des pauvres, on est des poètes. On est des poètes. Écoute ça. Vendre affamé n'a point d'oreille. Vendre affamé n'a point d'orgueil. Vendre affamé, grande gueule. Ça va. Tout à l'heure, tu n'as pas moi, tu n'as non, tout à l'heure, tu n'as pas mais tu n'as pas Azara, on a le quoi. Nous sommes des poètes frères. Écoute ça. L'argent n'a pas d'odeur. Non. L'argent a l'odeur de champagne. De champagne, vrai de pagne, les infâmes à la campagne. Tu saignes. Oh, 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 est-ce que tu rêves? Est-ce que tu as des rêves? Oui, ce matin par exemple, j'ai rêvé de toi en train de devenir un craquant. Non, pas ce genre de rêve, tu sais. Moi, je te parle de vrais rêves, tu vois, des rêves de pauvres. Un pauvre, ça peut manquer de tout sauf des rêves. Tu vois, le rêve, c'est la richesse d'un pauvre. Oui, j'ai ce genre de rêve. Oui, j'ai ce genre de rêve. Tu sais, j'ai rêvé de moi un jour en train de mettre de l'argent sur la tête d'un président. Tu vois, un président. La tête d'un président? Un président de la chorale que je suis peut-être. Non! Un vrai président! Bon, un vrai président! Peut-être! Écoute! Tu sais, tu peux même le devenir! Tu vois? Tu as le profil! Hein? C'est vrai qu'il te manque juste quelques brochettes et puis c'est bon! Et puis même tu as l'expérience professionnelle. C'est quoi l'expérience? Ben tu es pauvre. Mais quel rapport? Regarde, un président ça vit comme un pauvre. Regarde, ça voyage gratuitement. Ça mange gratuitement. Ça te confine gratuitement. Tu voulais que ça paye pour ça aussi? Et puis ça te consulte même gratuitement. Tu voulais que ça paye? Ben écoute, va consulter un médecin, malade ou pas, tu payes. C'est normal. Bon, tu peux même aller consulter un féticheur. Stagiaire, malade ou pas, ben tu payes. Non, un féticheur malade ou pas, tu meurs. Là, tu as raison. Tu as raison. Tu meurs des tumeurs. Tu meurs. Tu sais, j'aimerais quand même préciser quelque chose, moi. Tu sais, un jour, j'aimerais présider quelque chose, tu vois. Même les cimetières, tu vois. Même une fête d'anniversaire. Ah bon? Même une prison. Mais toi là, comme je te vois là, avec tes cheveux là, tu peux même présider un procès. Non. Si tu présides un procès, tu meurs. Non. Ça, c'est quand tu vas consulter un féticheur. Mais c'est pareil. Un féticheur aveugle. C'est pareil, oh. Mais attends, comment tu peux même parler de voyage? Tu es là, tu n'as jamais voyagé de toute ta vie. Tu vas te rendre président comment? Si je voyage, je joue de ma liberté de mouvement, je marche à pied. Et tu appelles ça voyager? Oui. Toi, tu ne peux même pas parler de voyage. Tu n'as même pas de passeport.
si j'ai une photo passeport. Et puis, moi, président, j'achète le passeport. Je valide le passeport. Quand je mange bio, j'invalide le passeport. Et après, je fixe les prix à un prix très très moins cher. Comme ça, je peux voyager avec tous les clans. Président. Tu sais, là, je te comprends, frère. Je te comprends. Ce que tu es en train de dire, ce n'est pas toi qui parle. C'est un démon de pauvreté qui te commande. Non! C'est le pouvoir. Pouvoir, c'est vouloir. Ah bon? Non, mon ami. Pouvoir, c'est avoir. Tu peux pas. Quand tu as l'argent, tu peux tout te permettre. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire quand tu as l'argent? Je sais. Tu peux tout faire. Je sais. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Je sais ce que tu ne peux pas faire quand tu as de l'argent. Ça, la vérité. On ne lave pas des caleçons quand on a de l'argent. On lave des caleçons quand même. Non, on ne lave pas des caleçons quand on a de l'argent. Quand on a de l'argent, on peut tout se permettre. Par exemple, on peut même se permettre de faire voyager un couple d'éléphants géants en première classe d'un vol commercial. Voilà. Attends, mais ça, c'est quelle folie des milliardaires de 2011. Moi, riche, à l'anniversaire de ma femme, je lui livre 2352 roses rouges. Ça va faire quelques camions. Même pas neuf battants, pas vieux italien. On nous décrit là une belle relation matérialiste. Quelle relation matérialiste? Moi, de toute façon, je n'aurais même pas le temps d'y penser. Parce que de toutes les façons, avant mon mariage, non. Je signe un chèque, non, je donne à ma femme 1 milliard de dollars en liquide. Hein? Là au moins je suis sûr que je me marie avec une milliardaire, tu vois. Tu sais, tu parles de mariage, ça me rappelle le mariage de la femme de quelqu'un. Je veux dire, le mariage de ma femme. Ah bon, avec qui? Notre mariage. À notre mariage, on a reçu tellement de cadeaux que ça fait des jaloux. 50 kilos de bagues en or massif avec des pierres en diamant. 12 containers de paires de cuisiniers. Ils étaient livrés par paire, chacun avec son jus. Leur matériel de cuisine là, c'est encore au port de l'hôpital, j'essaie de dédouaner. Mon mariage a fait des jaloux, au point qu'ils m'ont traité de détourneur, j'ai trouvé la femme de qui. Regarde, mais mon ami. Et le vin dans tout ça, tu sais toi-même, la vérité est dans le vin. Le vin. L'homme ne vivra pas que du vin, mais du champagne. Attends, mais sérieusement, ça c'est vraiment une drôle de sagesse. Je me demande, tu as eu ça où? Mais dans un livre que j'ai acheté aux enchères. 30 000 euros, 2 000 pages, une seule phrase. Ah ouais. Et c'est qui l'auteur? En fait, c'est un livre que Victor Hugo a failli écrire. Franchement, votre histoire là devant vente aux enchères, je n'y ai jamais cru. Je ne comprends rien. Comment quelqu'un peut se mettre à gaspiller des milliers de dollars juste pour acheter des trucs usagés, des secondes mains, préhistoriques? Non, ça dépend de l'usage, mon ami. Ça dépend de l'affectation de la chose. Par exemple, moi, j'achète la pipe de Napoléon Bonaparte et j'en fais un petit bouchon. Écoute. Moi, je pense qu'il y a une manière beaucoup plus sage de gaspiller son argent. Sérieusement. Moi, je suis riche. J'achète des cimetières. J'installe un couvent ou une salle d'études ou un quartier résidentiel. C'est calme. Silence de mort. Ici, on travaille. Non, c'est déjà. Moi, riche, j'achète la frontière. J'installe une salle de sport. C'est bon pour la santé. Regarde, moi, riche. Hein? Je me fais faire un caleçon en basin riche. C'est bon pour la santé. Ça, c'est un basin. Mais tu sais, parce que désormais, on ne peut plus manifester sa richesse par des voitures. Tout le monde peut se permettre d'acheter une voiture. Il y a tellement d'embouteillages qu'on ne sait plus aller d'un endroit à un autre. C'est pas sérieux. Hein? C'est un problème. Regarde, tu es riche, tu veux éviter les embouteillages. C'est simple. Tu achètes un jet privé avec piscine et terrain de golf incorporé. Yes! Ou carrément tu achètes la route. Tout simplement.
histoire. Déjà, comment quelqu'un peut acheter un caleçon comme ça? Il te faut des conseils, mon ami. Des conseils pour acheter des caleçons. Bah oui, ça, tu vois, tu regardes, tu vois, il n'a pas de bons conseillers, tu vois. Je vais te donner un conseil stylistique, tu vois. Mais cette fois, pour une fois dans ma vie, j'ai besoin d'un conseil, sérieux. Toi, tu me dis juste qui je dois corrompre. Ah bon? Oui. Regarde, j'achète la cathédrale, j'installe l'usine de fabrication de cigarettes. Ce n'est pas bête, de toutes les façons, ils ont déjà de l'encens, c'est plus facile. Justement. Et puis, on avait déjà tenté l'expérience avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n'y a pas de fumée sans cigarettes. Non! Et l'environnement dans tout ça, quelle éducation tu vas laisser à tes enfants? Quel environnement? Quelle éducation? Mes enfants, ils n'en auront pas besoin. Ils auront mon argent. Attends. Et la couche d'ozone dans tout ça? Quelle couche d'ozone? Mon enfant, il n'aura même pas le temps d'y penser. Tu vois? Moi, si je veux là, moi-même, je lui achète un paquet. Non, je lui achète un conteneur de couche d'ozone. Hein? Ou même du chicha à ozone. Tu peux le fumer si tu veux. Je n'ai rien à voir. Après demain, c'est l'enfant de quelqu'un comme ça qui vient me demander du boulot. Voilà. Est-ce qu'ils ont même étudié tes enfants? Étudié quoi? Est-ce qu'ils ont pu aller à l'école? Est-ce qu'ils ont pu apprendre? Apprendre quoi? La seule chose que mon fils doit étudier, c'est apprendre à citer correctement mon nom, tu vois. Papa. Parce que mon nom c'est une carte de visite, c'est une carte bancaire. Mon nom, c'est un passeport biométrique, non un passeport diplomatique. Mon nom, c'est un diplôme homologué. Mon nom, c'est tout. C'est la fleur des caleçons. Ton nom, c'est la fleur des caleçons. Va faire ton travail. La fleur des caleçons, toi-même. C'est pas possible. Vous vous rendez compte qu'on vient de passer genre une heure à parler des autres? Une heure à parler des autres? Ben c'est ça, oui, quand tu es riche, on parle de toi partout, même aux infos. Ils sont cons, les riches. Non, les riches ne sont pas cons, les riches, ils sont compétents. Ils sont cons! Non, écoute, quelqu'un qui paye un caleçon comme ça, c'est de la compétence. Regarde, quelqu'un, il est capable de fêter l'anniversaire d'un enfant d'une année. Un enfant d'une année? Une année? Vous vous rendez compte? Un enfant d'une année. L'enfant est là, il n'entend rien, il comprend rien, il voit rien. Après, on lui apporte un gâteau, on lui ment. On lui apporte un gâteau d'anniversaire à la place d'un biberon d'anniversaire. Et après, on lui ment que la bougie sur le gâteau, c'est sa bougie. Et après, c'est un adulte qui souffle à la place. Mais bien sûr, mais l'enfant, c'est juste un alibi pour que les adultes s'enivrent. C'est un peu comme un match de vétérans, tu vois. Ce qui compte, c'est la troisième mi-temps. L'enfant, il est là, il pleure. Voilà, il pleure. Ben justement, c'est des pleurs d'anniversaire. Ils sont bons, les riches. Les riches ne sont pas comme ils sont bons. Et puis, si tu es pauvre, c'est pas de leur faute. Oui, les riches, ils sont compétents. Quelqu'un a 300 femmes. Et 700 concubines. Ah ben, je comprends pourquoi ils n'amènent jamais leur femme en vacances. Ben justement, tu n'amèneras jamais un seau d'eau à la piscine. Mais non, ils sont cons, les riches. C'est pas normal. Non. Hier encore, il y a quelqu'un qui vient me dire, oh non, moi, je vais acheter la canne de Mobutu pour en faire un porte-chapeau. Quel vantardise! Non mais c'est pas de la vantardise! Ou la vantardise si quelqu'un te dit lui-même qu'il est plus riche que deux pays africains réunis? Ça ne va pas! Il n'y a pas de la vantardise! Quelqu'un il te dit lui-même, il est capable d'acheter le parc de Virunga pour installer des Irinois ou des pompes à essence. Et l'environnement dans tout ça! Mais quel environnement? L'environnement, là tu l'achètes aujourd'hui, demain tu l'achètes! Regarde-moi celui-ci! L'environnement n'a même pas de compte à banque, il est fauché! Ils sont cons, les riches. Les riches ne sont pas cons. Ils sont cons. Il y a un autre, il me dit, non, s'il fallait compter mon argent, il te faudrait faire au moins deux allers-retours sur la lune à pied et compter sur ton chemin et tu ne finiras jamais. Mais quel fantasme. Il n'y a pas d'avantardise. Où est l'avantardise si quelqu'un lui-même il te dit qu'il est capable d'acheter la couronne de Charlemagne pour en faire son cendrier pour les cigarettes? Il y a un problème. La couronne de Charlemagne, c'est un patrimoine historique et mondial. On ne peut pas l'acheter. Quel patrimoine historique? La couronne de Charlemagne, c'est un déchet. Tu vois? Charlemagne, il est mort depuis longtemps, il n'en a plus besoin. Il n'achète pas son argent, ça devient son patrimoine. Ils sont cons.
mon frère. Mais des fois, je me dis que tu peux avoir raison. Sérieusement. Parce que moi-même, je me dis, être riche, ça doit être parfois embêtant, tu vois. Les pauvres, lui, mènent une vie de simplicité. Tu ne verras jamais un pauvre en train de se demander, oh non, est-ce qu'aujourd'hui, je mange la viande de bœuf suspendue au plafond. Déjà qu'il n'a pas de plafond. Il n'a pas de plafond. Tu vois, tu ne verras jamais un pauvre en train de se dire, oh non, quand est-ce que je prends mon déjeuner, mon petit déjeuner. Non, il s'est mis tout simplement à jeûner. Tu t'accours la mana. Objection rejetée. Article 4.
Peu importe. Les riches, une fois emprisonnés, conservent néanmoins son droit d'accès à une bonne connexion Internet 4G. Non. Un accès régulier à la piscine. Objection. Et massage régulier par une personne de son choix, de préférence, une strictusesse du Burundi. Objection. 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 Tout pauvre qui sera emprisonné à tort par les riches, sa famille va acquérir désormais et automatiquement les droits de résidence chez le patron. Objection rejetée. Le patron, chaque fois que celui-ci, peu importe les circonstances de temps ou des lieux, de moyens ou de tout ce que vous voulez, le riche et les pauvres, désormais nous sommes en guerre. Ainsi sont suspendues toutes les activités des jeux de hasard, de loterie et de paris foot, afin d'éviter des enrichissements et des intrusions des derniers. Objection. Objection. Tout un pauvre élevé sur la fortune des riches sera redistribué aux pauvres pour leur faire un peu d'argent de poche. Objection rejetée. Article 7e. Cette disposition entre en vigueur à la date de sa promulgation et abroge toutes les dispositions contraires, antérieures et postérieures. À celui qui a, on ajoutera. Non. À celui qui n'a pas, on retranchera même les pieds qu'il a, c'est-à-dire sa chemise, son pantalon, son caleçon, sa brosse à dents et même ses dents. Objection. Objection. Ajouter à celui qui a, c'est mouiller l'océan. C'est brûler le volcan. C'est sauver un poisson de la noyade. Retrancher à celui qui n'a rien, c'est raser un chauve. C'est castrer un impuissant. De la chaise vide. Le riche est à l'abri des besoins, mais le pauvre est l'abri des besoins. Merci d'avoir répondu massivement présent à ce spectacle, le caleçon du patron. Nous vous prions, cher Bukavu, d'applaudir pour vous-même. Nous allons vous demander peut-être encore un peu d'effort pour applaudir pour le metteur en scène qui est en séjour à Kinshasa et qui n'a pas pu nous rejoindre. Ce spectacle a été monté à Goma le mois dernier. Le mois dernier, on a fait une résidence d'une semaine à Goma où on a écrit ce spectacle, on l'a monté, la mise en scène de William Chamotech, et on est venu jouer une avant-avant-première, et après on est en train de jouer aujourd'hui, on est content et honoré de jouer dans la première soirée ou la soirée qui inaugure le Festival Zéro Polémique. Et donc, mesdames, messieurs, les acclamations pour William Cham qui devrait être à l'écran. Deux derniers petits efforts, à la fois pour
C'est lui qui a eu l'idée de nous envoyer en résidence pour monter ses spectacles, c'est-à-dire le producteur même de ces spectacles, monsieur Choc Francis Moise, le patron du Bukavu Explorer. Mesdames, messieurs, acclamations s'il vous plaît. Ces spectacles n'auraient pas été possibles grâce, sans les efforts concourus de l'Institut français. Nicolas Lafargue n'est plus dans la salle. L'Institut français qui continue à nous accompagner depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, maintenant nous sommes dans le festival Zéro Polémique. Bon, comprenez, le directeur est en même temps sur scène. Et mesdames, messieurs, je vais vous demander à la fois d'applaudir pour les régisseurs, mais aussi pour les partenaires du festival Zéro Polémique qui rendent tout ça possible. Je vais peut-être donner la redescente de cette scène, parce que nous, on a fini notre boulot d'aujourd'hui. Mais je vais demander au chargé de programme du festival, s'il est dans la salle, de bien vouloir donner la suite des programmations. Et comme ça, vous pouvez rejoindre la maison à travers le même principe, pour les meilleurs et pour les rires.